Hola. Vous demandez sans doute qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos où on me voit comme ceci. Soyez indulgent. C'est sans doute la première fois que je me montre à vous comme cela depuis 2 ans et demi. Même si j'ai encore du mal à vous en parler. J'essaye, mais c'est dur. J'avais sans doute peur. Oui, j'ai peur. Avec toute cette méchanceté. Depuis des années à aujourd'hui que j'ai rencontré sur mon chemin. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à l'hôtel Crown Plaza de Lille. Je vais tester quelques produits avec vous et on va aller directement au concert d'Npokora dans cette vidéo. Bref, pour finir cette introduction, soyez vous-même, gardez ce grand sourire pour les embêter à ceux qui vous jugeront. Même si encore aujourd'hui j'ai du mal à vous en parler, je crois que j'ai fait un grand pas en vous dévoilant une partie de moi. Voilà. La semaine dernière j'étais sur Lille et j'ai été à l'hôtel Crown Plaza juste en face de la gare de Lille Europe. J'en ai profité pour tester quelques produits et quand je suis arrivée j'avais trop faim. Il était à peu près 14h et j'en ai profité pour tester Uber Eats. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Je trouve que ce concept est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez déjà testé. J'ai pris mon péché mignon à chaque fois que je vais à un restaurant. Généralement je prends une assiette de pita ou un pain pita frites. Et là j'avais pris un pain pita frites et c'était trop bon. C'est vrai, quand je suis arrivée directement dans la chambre d'hôtel, je me suis dépêchée à manger, j'avais trop faim. Il devait être à peu près 14h30, 15h, quelque chose comme ça. Et je vous ai pas filmé la chambre entièrement, mais je vous ai filmé la salle de bain et je trouvais qu'elle était plutôt pas mal. Et surtout, ça se passait dans la salle de bain. Si je me trompe pas, j'ai 4 produits à vous présenter aujourd'hui et j'ai 3 concours à vous présenter aussi aujourd'hui, donc restez pendant toute la vidéo, je pense que vous allez adorer. Je ne vous cache pas, c'était vraiment la galère pour essayer de cadrer correctement avec ma caméra et mon petit trépied. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas nue dans cette vidéo, là, de toute façon c'était hors de question. Je pense que vous avez vu juste avant, j'ai mis mon maillot de bain. Je viens de chez H&M, je l'ai eu vers fin décembre, quelque chose comme ça, donc je ne sais pas du tout s'il est encore disponible en magasin, mais il est trop beau, j'adore. Premier produit que je vais tester avec vous là tout de suite, c'est un shampoing de Garnier. Donc dedans nous avons de l'huile de ricin et de la sève d'érable. C'est vrai que j'ai été super étonnée quand je l'ai reçu. Ce qui m'a étonnée, c'est l'huile de ricin. Je savais que ça allait faire son job, mais je ne connaissais pas sous forme de shampoing après shampoing ou même de masque, apparemment ça existe. Je connaissais cette huile là sous forme d'huile de ricin à mettre sur les longueurs et les pointes. Ça a sauvé mes cheveux il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça, parce qu'avant j'étais blonde platine et ça a beaucoup abîmé mes cheveux. Donc j'ai pas arrêté de mettre de l'huile de ricin et maintenant j'ai des longs cheveux. L'huile de ricin, je ne le quittais plus du tout. C'était mon produit miracle parce qu'avant de mettre de l'huile de ricin, je coupais régulièrement mes cheveux pour qu'ils poussent, qu'ils arrêtent de tomber, qu'ils cassent. Et après j'ai arrêté, mais mes cheveux ne poussaient plus, donc je me suis dit dernière solution, l'huile de ricin. Franchement ça marche super bien. Pour vous dire, il y a à peu près 2 ans j'avais mes cheveux au-dessus des épaules, donc vous voyez le résultat aujourd'hui. Je coupe régulièrement mes cheveux encore aujourd'hui. Déjà ça sent super bon sur les cheveux, l'odeur reste 24 heures. Ça s'applique super bien sur les cheveux, même l'après shampoing ça va, mais par contre par tic ça démêle pas trop bien les cheveux. Mais je vous le recommande si vous avez les cheveux cassants qui ont du mal à pousser, testez-le. Franchement je vous recommande à 100%. Après le séchage, vous avez les cheveux doux. C'est vrai que j'ai plus accentué sur l'huile de ricin. Je vous ai pas trop parlé de la sève d'érable. C'est pareil, j'ai été super étonnée, un petit peu moins, parce que j'en avais déjà entendu parler qu'il y avait déjà des shampoings ou des masques à la sève d'érable. L'odeur sur vos cheveux, ça sent pas du tout l'huile de ricin, ça sent plus la sève d'érable, ça domine un petit peu plus. Pour avoir déjà utilisé 3 fois le shampoing et l'après-shampoing à la sève d'érable et l'huile de ricin,
Je trouvais que mes cheveux, c'est vrai qu'en ce moment, ils étaient un petit peu secs. Ça les a reconstruits. J'avais un petit peu de fourche, c'est pareil, ça commence à disparaître petit à petit. Si vous avez envie de tester ce shampoing-là et l'après-shampoing de la gamme sève d'érable et l'huile de ricin, je vous lance un concours sur Instagram. Donc je vous mettrai mon compte Instagram en barre d'infos. Tout simplement, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Me rejoindre sur Snap. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et après, tout simplement, il y aura une photo sur Instagram. Bien sûr, je me suis lavé les dents juste après la douche. Alors, je voulais vous montrer parce que j'étais super étonnée. Ça fait un petit moment que je les ai. Donc, ce sont des dentifrices pastilles, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc, de Lush. C'est au citron vert. Et c'est trop, trop bon. Enfin, il ne faut pas le manger, mais après, vous avez une haleine de citron vert. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, je compte sur vous de me mettre un petit hashtag JadouFamily en commentaire. Je pense que j'aurais dû vous filmer la petite partie où je me faisais quelques boucles sur mes cheveux. Et sincèrement, j'avais pas beaucoup de temps, donc je me suis dépêchée. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai très prochainement comment je fais mes boucles sur mes cheveux. C'était la dernière touche finale, la petite laque. Et après, direction le concert M Pokora. Donc c'est parti, je vous mets quelques petits extraits du concert. Et en passant, c'était trop 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 bien. Quand on s'est lancé dans ce projet de faire cet album My Way, il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Voilà, le concert était trop 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 bien, j'ai juste trop hâte qu'ils reviennent sur l'île et j'ai pas voulu partir les mains vides du concert pour vous. J'ai décidé de vous faire gagner le programme du concert. Je l'avais déjà fait pour le Red Tour il y a un petit moment. Donc si vous êtes fan d'M Pokora et que vous avez envie de gagner ce programme, tout simplement, le concours se passe en barre d'infos. Bien sûr, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai dû rentrer à l'hôtel vers 23h, 23h15, quelque chose comme ça. J'étais trop trop crevée et bien sûr, il fallait manger. Et j'avais déjà prévu un Uber Eats. C'est vrai qu'à 23h, ils ne livrent pas. Donc j'avais prévu ça en plein après-midi. J'ai pris un plateau de riz, avocat et même du saumon. Et après, je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. C'était une première quand même de manger avec des baguettes. C'était pas très 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 évident. Quand j'ai commencé à manger, je sais pas du tout c'était quoi. Je pense que c'était du saumon, mais c'était pas le même des autres. Il y en avait pas beaucoup. Donc j'ai commencé à le manger. Déjà, c'était galère avec les baguettes. Et là, directement, ça a piqué. C'était juste horrible. Je me suis dépêchée à boire. C'est pas évident. Par la suite, je galérais un petit peu quand même à manger avec les baguettes. Bon, après je vous ai montré comment je faisais, surtout le riz. Oh là là, quelle galère. Je sais pas si vous avez déjà mangé avec des baguettes, mais oh, j'ai galéré. Je pense que j'ai mis énormément de temps pour prendre un morceau de riz. C'est spécial, j'aurais peut-être dû opter pour des sushis, je sais pas. Bon, après il était temps de se démaquiller et après d'aller dodo. Donc on va passer à la salle de bain, j'ai deux produits à vous présenter. Le premier produit, c'est un produit de chez Sephora. Donc c'est un gant démaquillant pour le visage. Tout simplement, j'ai utilisé que de l'eau pour me démaquiller et je vais vous montrer tout ça tout de suite. J'ai jamais testé ce genre de produit là. Généralement, pour me démaquiller, j'utilise de l'eau micellaire ou alors les éponges à konjac qui marchent super bien. Donc je trouvais ça super sympa, mais par contre, je pense qu'il faut en avoir plus. Les deux grands points positifs pour ce gant nettoyant à l'eau de chez Sephora. Il est super doux déjà. J'ai quand même essayé pour voir si il enlevait mon rouge à lèvres à l'encre de chez Sephora.
Et verdict, il s'en va. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, j'ai testé le baume à lèvres Lip Balm. Si vous avez les lèvres gercées, qui sont un petit peu attaquées par les rouges à lèvres, si vous mettez souvent des rouges à lèvres, je veux dire, je mets pas mal de rouges à lèvres sur tous les encres de chez Sephora qui restent toute la journée. Que généralement, bah, mes lèvres souffrent un petit peu, elles sont un petit peu gercées. Donc le but de ce baume à lèvres, ça offre une protection temporaire. Et ça aide aussi à protéger vos lèvres si vous avez des effets desséchants du vent ou du froid même. Voilà, nous sommes le matin et j'avais pris pour le petit déjeuner un thé à la menthe. Vous savez que je suis totalement fan du thé à la menthe. Et des petits croissants, des petits pains, du pain, confiture, etc. et tout. J'ai fait ma gourmande quoi. Après le petit déjeuner, je me suis glissée tout de suite dans la salle de bain pour tester la deuxième gamme que je dois vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo là de Garnier. Donc déjà quand j'ai vu que c'était à la noix de coco, vous savez que j'adore la noix de coco, j'avais juste trop hâte de tester tout ça. Donc c'est à l'eau de coco, c'est le Garnier Fructis Coconut Water. J'avais déjà testé un Garnier ultra doux à la noix de coco que j'avais totalement adoré. Et là, c'est un Garnier Fructis Coconut Water. Et je vais tester tout ça avec vous là tout de suite. Déjà, ils sont trop bons. Ils démêlent super bien les cheveux par rapport à l'autre Garnier que je vous ai parlé, même s'il est super bien aussi. Ça rend les cheveux doux, ça adoucit, ça les hydrate. Le séchage, vous avez un effet de fraîcheur à vos cheveux. Si je devais choisir entre les deux gammes de Garnier que je vous ai présentées aujourd'hui, moi, je dirais plutôt le Coconut Water. Je vous organise un concours là tout de suite sur mon compte Instagram, donc tout simplement c'est pareil, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Allez directement sur mon compte Instagram, vous verrez un petit post avec le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Garnier Fructis Coconut Water. J'ai voulu vous filmer mon make-up juste après, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Et après je pense que la vidéo aurait duré super longtemps, donc je vous ai montré un petit peu l'essentiel que je mettais pendant cette journée là. Donc tout d'abord j'ai mis une crème bio qui provient de la marque Ecos, ou Ecos, je sais pas du tout comment on dit. Donc voilà, j'en ai mis un tout petit peu partout sur mon visage, faut vraiment en mettre beaucoup si vous avez la peau sèche. C'est une crème qui hydrate pendant 24 heures, donc ça c'est vraiment top. Après je vous ai mis les 7 produits que j'ai utilisés ce jour là. J'ai fait vraiment un maquillage tout simple. J'ai utilisé le fond de teint de L'Oréal Paris 1524. La teinte c'est beige je crois. De toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Un anti-cerne de chez Sephora. Une poudre bronzante de chez Sephora. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Ensuite le Wonder Brow pour les sourcils. Le mascara Black Up qui va super bien, j'aime beaucoup. Pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et la poudre libre qui provient de chez Sephora, la couleur c'est rose. Bien sûr, hein, je l'ai mis avant la poudre solaire de chez Sephora. Ce que ça donne, j'ai fait vraiment un petit truc léger. C'est vrai que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, mais de toute façon après je reprenais le train pour retourner chez moi. Voilà, la vidéo est terminée. C'était pas très évident pour moi de vous filmer tout ça. J'avais un petit peu peur. Bon, je vous ai pas trop dévoilé certaines choses, mais bon... J'espère en tous les cas que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout de vous abonner là tout de suite à ma chaîne. De regarder aussi si vous êtes encore abonné à ma chaîne YouTube parce que c'est énervant. Depuis quelques temps, je vous en parle, YouTube désabonne les gens. Donc ça c'est un petit peu énervant. Donc regardez si vous êtes encore abonné. N'oubliez pas de regarder aussi, je vous ai fait une nouvelle bannière YouTube. Donc juste au-dessus, vous verrez quand vous irez sur ma chaîne YouTube. Parce que je vous ai mis deux nouveaux rendez-vous pour les vidéos. Donc je ne vous en dis pas plus. Allez la voir. Je vous fais plein bisous. Et prenez bien soin de vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Brother, sister, can you hear that? Our heartbeat cutting through the ether. Star drifters, can you feel that? One love can make us all believers. A generation of